Mercredi 7 août 2024, et messieurs, dames, amis fanatiques, yo, go bonjour, bonsoir, et pour nous toutes, et amis quoi, c'est toujours servite nous. Amis, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même fougue, même détermination, même respect, nous toutes, gagnons pour l'autre. Toute équipe là, à la honte, badé, nous comptons rencontrer, nous portons pour nous quelques, et parmi nouvelles, cap dominé actualité, ya. Bien avant, et déclaration président République Dominicaine non? Et Luis Abinadel, et bien quand elle fait qu'on est la République Dominicaine disposée pour le bail permis de travail à tout citoyen vénézuélien, même si document yo expiré, même si yo pas gagné, et bien et pays se domaine pour le bail permis de travail. Nan matin bien bonnet, même jour ça, nan lundi, il y a un groupe haïtien qui te réuni Monte Cristi. Et côté, yo t'a demandé à gouvernement dominicain, s'il vous plaît, fais-nous joindre quelques permis de travail pour nous capables de travailler en paix, pour immigration, pour la police, pour Guadio, et suspendre en merde de nous, pour nous vivre en tranquillité. S'il vous plaît, ton Abinadel, s'il vous plaît, ton République dominicaine, fais-nous joindre quelques permis de travail. Ça nous tendait, mesdames et messieurs, la police débarquée, yo pas demandé moun yo qui ça reporté pour vendre. Et bien c'est en bas bâton, et bien yo roulé haïtien yo, et bien qui t'a protesté pacifiquement, bien que genan yo noue qui t'a boulé caoutchouc, gen te gen bout de bâton nan men yo, gen te gen manchette, nous connaissons comment haïtien, écoute, tout côté rivé, même si yo dit à fond bagay et pacifiquement, mais faut gen des autres quand même. Et bien la police débarqué, yo roulé haïtien yo en bas bâton, sa pied au boyo, qui t'a couru chapé pour yo, et sac pas capable courir. Et bien, yo mette yo en bas côte. C'est ça que nous parlons montrer dans la vidéo ça. Nous portons quelques vidéos pour comment la situation est Monte Cristi. Mais, gagner quelques organisations qui demandent la République Dominicaine. Même gens et président disposé pour faciliter Vénézuélien yo et documents et puis capable de travail. Et bien, pour capable faire ça tout et pour haïtien yo. Mon t-shirt bon, mesdames et messieurs, nous pourrons passer et un bel moment. Et n'a pas songé, et si c'est pour la première fois ou visitez nous dis bienvenue et n'a pas invité pour faire partie de grande famille ça pendant vous abonner ensemble avec nous, activer cloche notification pour pas jamais rater une vidéo. Partagez ensemble avec tant pour supplément demander nous aider nous partager vidéo sur tout groupe que nous la donne, mais ça a aidé nous et même pour nous capable joindre une petite grâce et visibilité. La République et Dominicaine disposée pour le bail et permis de travail à citoyens vénézuéliens et bien que document yo expiré, c'est président République et Dominicaine Luis Abinadel qui fait qu'on est pays ça disposé bail citoyens vénézuéliens yo yon permis de travail même si document yo expiré parce que représentant consulat ak diplomatique là qui était dans pays Saint-Domingue et mais yo pas là encore parce que et Nicolas Maduro et bien l'écrasé qui était ça ensemble avec la République Dominicaine nous connaît et qui genre relation dans moment ça après que Saint-Domingue était fourré bouche dans ça qui a passé dans pays Venezuela et bien Nicolas Maduro te bail la République Dominicaine un coup de pied dans mondial il dit démasque la caïmen et Saint-Domingue ensemble avec sept autres pays et bien et Nicolas Maduro foutu tout dehors et dans pays et Venezuela l'écrasé qui était ça ensemble avec yo. Eh bien, Abinadel fait qu'on est. Et là, l'autre jour, ça a passé, mes amis. Ça n'a pas encore une semaine. L'élection était faite dimanche là. Ça n'a pas encore environ une semaine que ça a passé. Qu'on a Abinadel qui a dit pour le faciliter mon parce que pas gagné consulat, pas gagné ambassade. Mais comme papier, mon ça a expiré, la bio et document. Tandis que Haïtien qui a vécu dans le pays Saint-Domingue, Haïtien qui dans 2 ans et demi a déposé papier yo, et dans l'immigration, il n'a jamais fait une réponse. Il n'y a pas jamais voulu et faciliter haïtien à rien. Mais laisser moun, les pour moun en clair, moun yo bel, on prend, ou qu'on est Venezuela gagne pétrole. Donc on bagaye. On prend comment Dominicain est déjà. Mais il y a voulu faciliter. Et d'après ça que Abinadel fait qu'on est, et nous te fait longtemps et n'a pris fait encore. Nous te facilité et citoyen vénézuélien et vénézuélien yo permis de travail sans yo pas te gen document et yon jou et puis si nous doit faire et ben n'a pas retourner faire ça encore c'est ça que Abinadel fait et connaît
pendant que l'État répond à question aux journalistes qui t'ont posé la question dans sens ça dans conférence pour la presse que bail chaque semaine qu'il relaie la semaine. D'après Abinadel, la République dominicaine gagne une dette avec Venezuela. Li gagne li depuis et sous Romulo Betancourt qui était gourmé pour démocratie et contre dictature Trujillo et pendant plusieurs années après et pays ça t'a aidé au gourmé pour démocratie. Dans un moment plus passé et 250 000 dominicains étaient travaillent dans vénézuélien, yo t'a l'ouvri porte et mais pour dominicain yo, c'est peut-être ça l'île est bien pour nous rendre réciprocité pendant que n'a aidé yo et n'a aidé et bien et vénézuélien yo. Ça veut dire que haïtien n'ont pas aidé nous et pays Saint-Domingue. Les nous tab goumen ensemble avec espagnol yo hein pour nous te retirer là. Nous pas de manger pour nous et Saint-Domingue pas de manger pour nous de manger. Nous pas de zam, nous pas de rien. Haïti bon manger. Haïti bon zam. Haïti bon soldat gen en pile haïtien qui mouri sans yo verser sous sol ça là pour aider goumen. Pour être capable de mettre espagnol yo de yo. Celle nous-mêmes qui te vine edo. Toute l'autre nation te frappe pour yo. Yon n'a pas de vine edo. Mais comme étant haïtien, c'est tout sous ça. Bon pour nous, faut que nous payer ça. Ça le dit ou même ou pas gen ken dette envers et haïtien. Mais c'est comme ça, mesdames, bagelae. Nan, même jour ça, lundi ya, et nan matin, avant que Abinadel te fait déclaration ça, et mette gon groupe haïtien qui tape manifesté dans Monte Christi. Pour te demander à gouvernement dominicain, aide yo. Jouen permis de travail et ben la police débarqué yo voye la police dans monde haïtien qui t'a manifesté et l'autre boa yo voye et la police dans monde haïtien yo gardé c'est ensemble avec coup de balle coup de bâton et ben qui te recevoir haïtien yo sac pied te bon yo courir sac pas capable courir et ben la police te mettait la patte et bien sous monde ça ou gen pour monde ça yo geta fin moun yo arrêté yo geta fin déporter moun sa. On a regardé comment ça t'est lundi à na Monte Christi après n'a venir ensemble avec quelques organisations et mais qui mandé et mais pour pays se doing même gens ou aider vénézuélien joindre document et mais aider haïtien tout et mais pour capable joindre permis de travail. On a regardé comment ça t'est lundi à na Monte Christi. Jean nous sommes à suivre là, mesdames et messieurs, ça passe lundi à et côté et quelques haïtiens et mais ils ont protesté en Atillo par Maguayubin, province à Monte Christi et bien puis ils étaient capables de demander à gouvernement et pour que immigration capable enregistrer et d'après amplitude ou du moins quantité monde qui t'a manifesté et bien autorité dominicaine yo et bien yoté intervenu à présent gagné et Charpentier William Charpentier qui gagne qui c'est une organisation qui défend surtout droit haïtien en République dominicaine qui bat bravo leur contentement pour décision que gouvernement dominicain prend pour le capable faciliter et bien permis de travail à citoyens et vénézuéliens yo et tout profiter et mandé à gouvernement dominicain hein, et ben même gens il a facilité vénézuélien yo mais en pile haïtien en République dominicaine et bien qui méritait et bien plus capable joindre un support comme ça côté demander et bien font gens pour haïtien tout pour capable joindre permis de travail en attendant. Sí, creo que el gobierno dominicano ha hecho lo algo importante para los hermanos venezolanos. Sabemos la situación que están viviendo los venezolanos, tanto aquí en la República Dominicana como en otros países del mundo, por el tema de documentación. Y yo creo que es un acto de justicia
que el gobierno dominicano le permitiera utilizar su documento, aunque esté vencido, para tener algún tipo de documentación aquí en la República Dominicana. Nosotros también quisiéramos que hiciera lo propio con otras nacionalidades, por ejemplo, con el tema de los haitianos, que a pesar de que son naturaleza migratoria diferente, ¿verdad? Pero sí creo que el gobierno también tiene toda la posibilidad, también la ley le permite, por la situación que están viviendo los mismos haitianos en Haití, la naturaleza, la crisis política en Haití, entonces hacer lo propio, como hace con los venezolanos, flexibilizar algunos procedimientos y cooperar en todo esto, y creo que es un acto de justicia que hace el gobierno dominicano para con los hermanos venezolanos.